Ah, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 22 avril 2020, 8h06, heure du Québec. Mon nom est Jean Granger, heureux de vous accueillir. De plus en plus nombreux et fidèles. Il y a des habitudes qu'on est en train de voir disparaître, des habitudes qui remontent à des centaines et des centaines, peut-être même voire des milliers d'années. Hein? Des habitudes vraiment... banal, comme se serrer la main, hein, une vieille coutume. Chez les nations du Moyen-Orient, se faire l'accolade, hein, entre hommes, entre femmes. Chez les Européens, se faire la bise aussi, même chez les nations du Moyen-Orient, se faire la bise quand on se rencontre, se serrer la main. Ou se faire l'accolade, qui vont disparaître probablement, à tout jamais. On assiste à quelque chose d'exceptionnellement unique et rare. Hein? On a traversé toutes sortes d'époques, toutes sortes d'atrocités, d'abominations, mais ces coutumes-là étaient toujours là. Même la grippe espagnole n'a pas fait disparaître. Elle a créé... probablement le plus grand nombre de décès. Ça a été l'événement viral, probablement un des pires. La peste en était une autre. Mais ça n'a jamais remis en question nos vieilles coutumes, nos habitudes. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Vous n'en avez pas non plus. C'est de la spéculation. Donc, ça ne donne rien de perdre son temps là-dedans. Comprenez-vous? Donc, c'est là où il faut être rationnel dans la vie. Essaye pas d'expliquer le comment, le pourquoi, tu pourras jamais. C'est comme quand tu te réveilles un matin et tu lis une nouvelle comme quoi le voisin a exterminé toute sa famille. Et là, tu as tout le monde qui t'a posé la question, la première question que tout le monde se pose. Mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Il faut plus que ça se reproduise jamais. Puis là, c'est parce qu'il n'y a personne qui était dans sa tête. Puis il n'y a personne qui sait ce qui s'est passé dans sa tête. Puis il n'y a personne qui ne le saura jamais. Donc, perds pas ton temps avec des choses sur lesquelles tu n'as aucune façon, aucun moyen de savoir pourquoi c'est arrivé. Pourquoi en ce moment on va perdre toutes ces habitudes-là? Ça ne te donne rien de perdre ton temps là-dedans. Parce qu'il y a des milliards d'explications. Ce qui est important de comprendre, c'est de le voir puis de réaliser qu'il y a des gros changements qui se font. Puis qu'il va falloir s'y adapter, puis que ça ne change rien d'autre que la façon dont on se saluera. On fera comme les Asiatiques, hein, qui, eux, ont compris ça depuis longtemps, ne se touchent pas vraiment, se saluent en s'inclinant. Comprenez-vous? Donc, on va aller voir ça, ces vieilles habitudes qu'on a, où on en est avec tout ça. La bise, hein? Tout sur la bise, une, deux, ou trois, ou quatre fois, béco, baise ou boujou. Les mille et une façons de se faire ou de se nommer la bise en France ont été mises en place ou ont été mises en carte. Ça, c'était un petit article que j'ai trouvé qui date du 7, regardez ça, c'est pas si vieux, 7 octobre 2019. Savez-vous vraiment comment faire la bise à Marseille? Ben, je peux vous dire une chose, c'est plus nécessaire. À Lille, quel joue tendre et combien de fois ce rituel? Et son nom demeure parfois bien incompréhensible pour ceux qui sont peu coutumiers de ce bisou ou béco, à la fois si familier et routinier. Donc, imaginez le point science le 7 octobre 2019, juste avant le début de la crise, nous disait tout sur la bise qui va disparaître, et qu'il sans savoir que c'était pour disparaître. Mathieu Avanzi nous parle de ça. On pourrait dire un mois, hein, à peu près, avant l'apparition de cette maladie à Wuhan. Assez étonnant quand même pour les conspirationnistes. Hein? C'est pour mieux explorer ce phénomène que j'ai décidé de le cartographier dans mon ouvrage « Apparaître ». C'est parce que ça va devenir un livre de référence, parce qu'on ne pratiquera sûrement plus cette vieille coutume. Grâce à un système d'enquête en ligne mis en place il y a quelques années, j'ai pu ainsi collecter des informations
auprès des internautes quant à leur usage du français. Cela m'a permis de préciser... Les hypothèses sur les origines de la bise sont nombreuses et souvent invérifiables, comme la plupart des informations qu'on a toujours. Hein? S'agit-il de la ritualisation de comportements ancestraux, comme se renifler pour se reconnaître ou reproduire une expression affective liée à l'enfance? Sur ce point, les historiens anthropologues et autres spécialistes des comportements humains ne sont pas parvenus à un consensus. Disons que le fait de faire la bise ou de se faire un schmouze ou de se biser ou de se donner une baise, etc., est une habitude que beaucoup d'anglo-saxons croient typiquement française. N'oublions pas, les nations aussi du Moyen-Orient pratiquent ça. Mais elle ne l'est pas. On se fait aussi la bise dans les pays d'Europe du Sud, à tradition catholique et orthodoxe, jusqu'en Russie, dans certains pays arabes et d'Afrique subsaharienne. Sur le plan historique, il semblerait que le rituel remonte à l'Antiquité et qu'il est connu des hauts et des bas dans l'histoire de l'humanité moderne, tantôt interdit, tantôt valorisé. La question se complexifie encore quand on cherche à tenir compte du contexte, dire bonjour, dire au revoir, se souhaiter la bonne année, ou etc., du lien de parenté des personnes impliquées. La bise semble longtemps avoir été réservée à l'intimité familiale ou de leur genre. Ainsi, la bise entre hommes a longtemps été stigmatisée. Ce qui est sûr, c'est que ce rituel agite régulièrement la toile depuis une quinzaine d'années. Une partie des discussions porte sur le nombre de bises qu'il faut faire. La question a fait, pour la première fois, le buzz en 2003, à la suite de la mise en ligne du site « Combien de bises ?» Le rituel a d'ailleurs suscité la mise en ligne d'une vidéo humoristique du stand-up ou du stand-upper britannique Paul Taylor, qui a rapidement conquis l'audience, plus de 3 millions de vues. Je vous laisserai d'ailleurs, dans la boîte de description, comme d'habitude, tous les liens de ces articles-là. Vous pourrez aller visionner les vidéos qui sont dans le lien de l'article du Point Science. Les données que nous avons collectées dans le cadre de nos enquêtes conduites entre 2016 et 2019 nous ont permis d'apporter de nouveaux éléments de réflexion pour continuer le débat qui vient de disparaître, ce débat-là, parce qu'il n'y en aura sûrement plus de bise. En tout cas, pour très longtemps. Notre première carte a été établie sur la base des réponses de plus de 18 600 internautes ayant déclaré avoir passé la plus grande partie de leur jeunesse en Belgique, en France ou en Suisse. Et à qui on a présenté la question « Combien faites-vous de bises pour saluer un proche? » Les internautes devaient indiquer s'ils faisaient une, deux, trois, quatre ou cinq bises ou plus. Oh là 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 là! Nous avons calculé le pourcentage de réponses pour chaque arrondissement de Belgique, de France et de district en Suisse. Pour chacun de ces points, nous avons conservé la réponse qui avait obtenu le pourcentage le plus haut. On peut voir ici, 1, 4 et 2. En Belgique, la plupart des internautes ont déclaré faire une seule bise, le taux avoisine les 100%. Tout comme dans la partie nord du département du Finistère. On dirait que les revendications du groupement de réhabilitation d'usage de la bise unique ont été étendues. Majoritairement, les Français font deux bises, à part du Languedoc, et dans la partie sud de l'ex-région Rhône-Alpes, un comportement que l'on retrouve en Suisse romande. Dans la partie septentrionale de la France, les aires en rose signalent les endroits où l'on fait encore quatre bises. L'analyse des données montre cependant que, dans ces régions, les quatre bises sont fortement concurrencées par les deux bises. Comme on peut le voir sur les cartes ci-dessous, le fait de faire quatre bises est une habitude plus fréquente chez les seniors que chez les juniors. L'avenir nous dira si les quatre bises continueront à être reproduites dans les années à venir. Ou si elles ne seront plus qu'un lointain souvenir inconnu. L'origine de ces différences reste inconnue. Un internaute m'avait fait remarquer que les trois bises recouvraient à peu près l'ère protestante du 17e siècle et qu'elles auraient été un signe de reconnaissance de la Trinité. Pour les quatre bises, l'idée semblerait être que chacun puisse poser une bise sur chacune des joues de son vis-à-vis. Quelle joue tendre en premier, le second débat? Fais la bise sur les... Et ça continue comme ça. Je peux vous dire une chose, que tout ça maintenant est devenu... Ici, on baise la main même, hein, M. Emmanuel Macron. Se moujouter. Tout ça devient complètement maintenant, comme disent les Anglais, irrelevant, sans importance, parce que, je peux te dire une chose, la crainte est installée, et avec la distanciation sociale, la paranoïa qui est universelle, ben, on peut dire adieu à la bise,
comme on peut dire adieu, à la poignée de main. Une poignée de main est une tradition de salutation, de séparation, bref, largement répandue à l'échelle mondiale, dans laquelle deux personnes se saisissent l'une de l'autre des mains, dans la plupart des cas, accompagnées d'un bref mouvement de haut en bas, des mains serrées. L'utilisation de la main droite est généralement considérée comme une étiquette appropriée. Les coutumes entourant les poignées de main sont spécifiques aux cultures. Différentes cultures peuvent être plus ou moins susceptibles de se serrer la main, ou il peut y avoir des coutumes différentes sur la façon ou le moment de se serrer la main. Les ruines archéologiques et les textes anciens montrent que la poignée de main, également connue sous le nom de Dexiosis, était pratiquée dans la Grèce antique dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Une représentation de deux soldats se serrant la main peut être trouvée sur une partie d'une stèle funéraire du 5e siècle avant Jésus-Christ exposée au musée de Pergame, Berlin, et ainsi de suite, et plaplapla. Dans l'islam, la poignée de main entre hommes et femmes n'est pas encouragée dans des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Pakistan, l'Iran, où la religion majoritaire est l'islam. En règle générale, dans ces pays, les hommes ne sont pas autorisés à se rapprocher du sexe opposé ou à les toucher. Parmi les pays islamiques, la Turquie est une exception où les hommes et les femmes peuvent se serrer la main. Il existe diverses coutumes entourant les poignées de main, à la fois généralement et spécifiques à certaines cultures. La poignée de main se fait généralement lors d'une réunion, d'un salut, d'une séparation ou d'une offre de félicitations, d'une reconnaissance ou en signe public de conclusion d'un accord commercial ou diplomatique. Dans les sports ou autres activités de compétition, cela se fait également en signe de bon esprit sportif. Son but est de transmettre la confiance, le respect, l'équilibre et l'égalité. S'il est fait pour former un accord, l'accord n'est pas officiel jusqu'à ce que les mains soient serrées. Dans les pays anglophones, la prise de contact est courante dans les situations commerciales. Dans les situations non commerciales occasionnelles, les hommes sont plus susceptibles de serrer la main que les femmes. Et là, on nous donne la liste. Hein? Et je peux vous dire une chose. On pourra dire aussi adieu à la poignée de main. La bise, la poignée de main, la collade, hein? Entre être proche ou même souvent, moi, je donnais la collade à des gens que je voyais parce que je suis heureux de les voir, qu'on veut se transmettre cette énergie-là. Bien, tout ça, ça vient probablement de prendre le bord. Ça vient de prendre le bord, mais pour combien de temps? J'ai l'impression, pour plus longtemps qu'on le pense, la paranoïa vient de s'installer. La distanciation sociale, toutes les règles que vous voyez maintenant vont être là pour rester. Et on est dans un nouveau monde. Bienvenue. Dans un monde peut-être plus distant, plus froid peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a personne qui le sait. Chose est certaine, hein, ces petites coutumes quotidiennes sont disparues. Je vous reviens, vous restez là, un monde à l'envers.